Salut tout le monde! Alors pour moi, j'aime beaucoup me maquiller. En fait, que ce soit pour un maquillage léger de tous les jours ou aller jusque dans le plus glam et osé. Puis dernièrement, j'ai appris à utiliser quelque chose qu'auparavant, j'étais pas vraiment à l'aise, les fameux fossiles. Mais en fait, c'est vraiment le fun. En les adaptant à votre œil, c'est une façon vraiment géniale de rajouter juste un petit peu de va-va-voum à votre regard. Alors la première étape consiste à enlever les cils à l'aide d'une pince à épiler. Ensuite, faites juste onduler les cils pour les assouplir, ça va rendre la pose vraiment plus facile. Alors, une des étapes importantes est de bien mesurer la longueur de votre faux cil. Personnellement, j'aime une longueur d'à peu près 3/4 de la longueur de mon œil. Et l'important, c'est de couper l'extérieur du faux cil, donc la partie la plus longue, pour que ça soit vraiment bien ajusté à votre œil. Ensuite, avec la colle fournie que j'applique sur la base des faux cils, j'attends un petit peu le temps qu'elle vienne gommante pour ensuite l'appliquer sur la racine de mes cils du centre au coin interne jusqu'au coin externe. Alors, une fois que j'ai installé mes cils, j'attends un petit peu que la colle sèche. Si votre colle est blanche, soyez pas inquiète, en séchant, elle va devenir transparente. Et là, c'est le moment qui fait toute la différence, qui est de rajouter une couche de mascara pour lier nos cils aux faux cils et en plus, ça rend le tout tellement plus confortable. Je termine en appliquant une ligne de fard noir à la base de mes cils pour vraiment atténuer la bandelette de faux cils. Alors voilà le résultat final et à mon tour, je vous invite à oser essayer les faux cils.